Le titre de cette histoire est Je mange, je dors, je me gratte, je suis un wombat. L'auteur de cette histoire, celui qui a écrit l'histoire, s'appelle Jackie French. L'illustrateur de cette histoire, celui qui a dessiné l'histoire, s'appelle Bruce Watley. Lundi, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, ai mangé de l'herbe, me suis gratté. Nuit, ai remangé de l'herbe, puis dodo. Mardi, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, manger de l'herbe. Nuit, encore de l'herbe, commence à m'enlacer. Ensuite, me suis gratté le dos. Très difficile de se gratter au bon endroit. Dodo. Mercredi, matin, sieste. Après-midi, temps doux, légèrement nuageux. Et trouvé endroit idéal pour prendre un bain de poussière. Et rencontrer créatures toutes plates et pleines de poils sur mon territoire. Terrible bagarre entre elle et moi. En suis sortie vainqueur et réclamée une carotte. Carotte délicieuse. Soir, et demander d'autres carottes. Pas de réponse. Et grignoter le bas de la porte. Par pitié, donnez-lui des carottes! Et manger des carottes. Me suis grattée. Dodo, jeudi. Matin, sieste. Après-midi. Et découvert endroit idéal pour me gratter le dos. Soir. Et réclamer d'autres carottes. Pas de réponse. Suis retournée à la porte. Mystère, elle résiste à mes coups de griffe. Boxer la poubelle jusqu'à ce que les carottes arrivent. Manger mes carottes. Creuser un nouveau trou en terrain mou. Ensuite, dodo. Vendredi, matin, sieste. Après-midi, et découvert nouveau gratte d'eau. Trouver aussi nouvelle mine de carottes. Soir, quelqu'un a rebouché mon dernier trou, obligé de tout recommencer. Nuit, et travailler à mon terrier. Samedi, matin, et emménager dans mon nouveau terrier. Après-midi, pluie, nouveau terrier complètement inondé, obligé de retourner dans l'ancien. Soir, et découvert d'autres carottes. Décidément, le monde en est rempli. Carottes excellentes. Nuit, tout manger. Dodo. Dimanche, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, sieste. Nuit, offrande de carottes à la porte. Des carottes, toujours des carottes, ça devient lassant. Et réclamer des flocons d'avoine à la place. Mais les humains ont apparemment du mal à comprendre une demande aussi simple. Suis toujours étonnée par leurs bêtises. Et grignoter une paire de bottes, trois cartons, 11 pots de fleurs et une chaise de jardin avant qu'ils ne saisissent le message. Et manger mes flocons d'avoine. Me suis gratté, puis dodo. Lundi, matin, sieste. Après-midi, grande forme.
Sur mon chemin, des choses mouillées m'ont chatouillé le nez. M'en suis débarrassée et réclamé des flocons d'avoine et des carottes. Me suis fait comprendre au bout de 5 minutes de boxe avec la poubelle. Soir, et découvert que les humains font de bons compagnons quand ils sont bien dressés. Nuit, et creuser nouveau terrier pour me rapprocher d'eux. Dodo.